Salut à tous, c'est Pangdageno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de quantique. Ouais, de quantique. On en a parlé un petit peu pendant le live de jeudi où on me posait la question de savoir ce que je pensais du travail de Braden, Lipton, qui sont souvent ensemble par rapport à la biologie et au quantique, et donc à l'impact potentiel de nos idées sur les champs vibratoires, etc. Là-dessus, moi je suis assez en recul. J'adhère pas vraiment dans le sens où je ne suis pas physicien, je suis encore moins un physicien quantique, j'aime à lire, à étudier à mon humble niveau ce que je peux comprendre. J'aime écouter Étienne Klein, je vous invite à l'écouter. Mais pour réellement associer quantique à hypnose, sophrologie, à ostéopathie, ou tout ce que vous voulez de quantique, ou donner une explication en quelque chose en quantique. Je suis toujours en retenue parce que pour moi, on n'a pas le niveau pour vraiment comprendre ce qui se passe et on prend plutôt un jeu sémantique qu'un jeu physique en tant que tel pour donner une explication où les gens peuvent se dire, ok, je comprends à peu près, waouh, c'est incroyable. Et il y a un article qui a été édité dans Le Monde qui s'appelle La médecine quantique de fausse thérapie qui surfe sur les révolutions de la physique quantique qui date du 10 octobre. Je vous le mettrai bien sûr en lien. Et je trouve qu'il y a certaines parties qui sont intéressantes pour notre réflexion. Et comme mon point de vue, c'est de dire que on crée un rapport de substitution avec le terme quantique pour donner une espèce de notion ultra puissante et en même temps très sérieux parce que c'est quelque chose qui va jouer sur un levier de croyance. Et comme aujourd'hui le quantique est devenu concret, notamment avec les puces et les différentes exploitations qu'on peut en faire, on peut se dire, bah oui, si ça fonctionne dans des outils du quotidien, du pragmatique, ça peut fonctionner dans des thérapies du quotidien, psycho slash énergétique, et ça donne un sens, ça rend plus scientifique, plus réel. Mais tout ça, c'est juste un levier de substitution qui ramène un très très bon marketing et qui apporte la confiance. Alors après, pour moi, c'est des leviers de suggestion et d'influence slash on pourrait dire hypnotique pour ceux qui aiment le covert hypnosis ou l'hypnose indirecte, pour amener les personnes à plus d'ouverture à leur capacité de changement, etc., etc. Je reprends quelques parties de l'article que je trouve pertinent. C'est l'un des rares objets scientifiques qui permettent de fantasmer et un support de science-fiction assez génial, résume Richard, mon voisin didacticien des sciences et auteur de Quantox. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vrai dès qu'on parle de quantique aujourd'hui. La plupart d'entre nous, on ne peut pas expliquer les choses, à moins qu'on se soit penché dessus, qu'on ait vraiment étudié, et que, bah, au fur et à mesure, on ait vraiment fait des liens de cause à effet. Mais là, 90% des personnes que je rencontre à qui je parle un petit peu de quantique, ils n'ont rien étudié, ils n'ont même pas regardé de bouquins ou quoi, lu de bouquins ou regardé de conférences. C'est vraiment, ils ont lu dans deux, trois trucs des mots sur le quantique, rajouté parfois par leur professeur, et puis ça fait bien de le ressortir parce que c'est devenu limite un mot commun alors que c'est quelque chose qui est plus complexe que ça. Pour ceux qui connaissent Schrödinger, le chat Schrödinger, à savoir s'il est mort ou s'il est vivant, ça je le savais pas et je trouve que c'est intéressant. Schrödinger, auteur de la célèbre expérience du chat, du même nom, consacre ainsi la seconde partie de sa vie à des travaux philosophiques qui le rapproche du Vedanta, une doctrine hindouiste, et formule l'hypothèse d'une conscience de l'univers. Donc c'est sûr que quand on a des grands grands chercheurs, il y a beaucoup hein, dans les sciences qui viennent plus vers du spirituel, bah, ça ouvre automatiquement pour des personnes qui sont un peu dans le New Age ou dans la spiritualité, des liens qui disent, bah voyez, il y a un pont, bah, c'est un peu le truc avec Braden, il y a un pont entre la physique, le mec est biologiste, le mec est sérieux, et le côté un peu plus ésotérique, en tout cas non prouvé aujourd'hui, où bien sûr, on va dire, mais ça dépend des croyances de tout un chacun, en fonction des croyances, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a qu'une vérité relative, et donc si on arrive à faire des liens entre de la science dure et des croyances, entre guillemets, quoi, des croyances ou même des sciences molles, la psycho et enco, bah, on peut commencer à prouver que quelque chose est plus sérieux. Alors qu'en réalité, c'est juste des causalités qui ne sont pas une réalité, de mon point de vue.
À la suite d'une illumination mystique, le physicien américain d'origine autrichienne Capra fait dans le Tao de la physique en 75 des parallèles entre physique quantique et mysticisme oriental. Et là, on a un truc, mouvement New Age, les années 70, on est complètement dedans. On a la récupération de la science qui donne un vernis scientifique aux théories pseudo-scientifiques et ou ésotériques. Ça leur permet de raconter qu'ils apportent des réponses tellement uniques sur le monde qu'ils dépassent les limites de la science. Alors là, on arrive sur cette notion de substitution dont je vous parlais au départ, et que ça donne une espèce de toute puissance à la méthode, ou dans lequel on peut expliquer un petit peu du quantique, et n'oubliez pas, hein, pour la plupart d'entre nous, ça deviendra de la confusion, de saturation, parce qu'on n'a pas assez de connaissances, et ou simplement, ça deviendra une suggestion, où la personne se dit, ah oui, donc, une porte des possibles, sortir un petit peu de notions limitantes dans les structures, un recadrage en fait, et qui peut ouvrir, c'est vrai, à un mieux-être à un moment donné. Chopra, auteur du best-seller Le corps quantique, donc 89, c'est lui qui utilise le mot médecine quantique parmi les premiers, et postule que le corps humain et l'esprit forment un tout dégageant un champ vibratoire dont l'équilibre ou le déséquilibre sont synonymes de santé ou de maladie. Ça, pour ceux qui ont un peu travaillé dans l'énergétique, on l'a entendu, su, perçu, et d'ailleurs Chopra est une référence. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2013, Chopra, donc il a écrit ça en 89, dit que c'était plutôt une métaphore qu'une réalité en tant que telle scientifique. Ça vient de lui-même, donc là il n'y a pas de problème, c'est expliqué dans l'article un peu plus tard. Médecine quantique en parlant d'une réalité, surtout aux médecines chinoises et ayurvédiques, donc indiennes, elle les saupoudre de concepts plus nouveaux, comme celui de biorésonance. Je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous êtes un peu dans ce milieu-là. Soit l'idée d'un corps vivant génère des ondes qui sont mesurables. Il a notamment donné naissance à des machines de biofeedback. Ça aussi, vous devez connaître, je pense que vous en avez déjà entendu. Sont censés capter les ondes vibratoires du patient et interagir avec. Voilà. Donc en gros, l'opérateur va modifier le champ vibratoire de son partenaire, et c'est un peu ce qui est fait dans l'énergétique, mais c'est donné d'un côté un peu différent. On a un peu une upgrade de ce qui est proposé dans le magnétiseur de base ou le Reiki Master de base. Aslangou, professeur émérite à Pierre Marie Curie. Puisqu'elle associe deux mots relatifs, ça je trouve que c'est intéressant pour nous, hypnotistes, où le mot est tellement important, deux mots relatifs à deux disciplines utilisant des méthodologies inévitablement et radicalement différentes, car poursuivant des objectifs n'ayant rien au commun, donc c'est ce qui va, à un moment donné, créer cette espèce de... c'est les liens de cause à effet, hein, on sait, pour les PNListes, les hypnotistes, c'est vraiment une figure de style et une manière de fonctionner pour que on crée des logiques et des affirmations sur deux mondes qui ne sont pas les mêmes, mais auxquels on va réussir à trouver des points communs, on va biaiser pour amener une suite logique, hein, une rationalisation des ensembles pour donner quelque chose. Ce qui plaît, c'est le mot qui fait à la fois mystérieux et scientifique, et là il prend l'exemple d'hypnose. Hypnose, c'est pas mal, mais avec hypnose quantique, on donne l'impression d'aller beaucoup plus loin, souligne Romy Sauver. Je vous mettrai l'article complet. Hein. Et je trouve que c'est assez vrai, ça donne un petit peu un boost à tout ce qui est proposé. Et c'est vrai que pour des personnes qui se sont dit, je suis allé faire de la psychothérapie, de la psychologie, de la psychiatrie, des techniques ésotériques, des techniques orientales et plein de choses. Maintenant, je retourne dans le moderne. En plus, si on a un sens aussi quantique plus neurosciences, ça fait vraiment bien. Donc, tu dis que je suis un hypno-neuroscientifique quantique. Ça augmente une valeur sur le marché et ça se vend très bien. Et on sait très bien, et je le rappelle encore, hein, que notre milieu est quand même énormément une niche commerciale pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui font ça et peut-être dans 10 ans revendront autre chose parce qu'ils s'en foutent plus ou moins de ce que ça peut faire, hormis le retour sur investissement ou le plaisir d'être mis en avant par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils proposent, d'être donc une figure d'autorité à un moment donné. Je trouve que c'est intéressant, je pense que ça nous impose à constamment réfléchir, à faire attention à ce qu'on partage, à ce qu'on donne comme idée, hein. Et puis là encore, il n'y a rien de mal de penser que ceci est vrai et puis après se dire que c'est faux, ou inversement que c'était faux et que ça peut devenir vrai, ça c'est vous et votre façon de voir, mais l'idée c'est de s'ouvrir au maximum et comprendre
les cheminements, les rouages qui font que parfois on arrive à vendre du quantique dans tous les sens, alors qu'en réalité, il n'y a rien de quantique hormis des liens de cause à effet qu'on a voulu faire et qui rationalisent très bien. Et si en plus on a un bon discours, si on s'est bien suggéré par le mot, le verbe et le body language, en gros, si on fait l'hypnose indirecte, ça peut passer. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.